Hello les pépites, j'espère que vous allez super bien pour ce jeudi. Hello les pépites, j'espère que vous allez bien. Avec la voix des âmes, on va voir un petit peu ce que la voix des âmes a envie de vous faire passer comme message pour ce joli vendredi, donc jour de pleine lune en plus. Donc c'est très particulier. Donc je prends l'oracle La Voix des âmes d'Isabelle Fser et on va regarder un petit peu le message. Pour aujourd'hui, je vais prendre 4 cartes. Allez, on y va tout de suite. Donc vous pouvez dans votre tête déjà donc dire est-ce que j'ai un message qui arrive vers moi aujourd'hui. Pour ce vendredi, j'espère que vous allez tous bien dans de belles énergies. Voilà, pour cette pleine lune qui va réaliser, je l'espère, tous vos voeux. Alors, on y va. Pour aujourd'hui, donc, on a la carte de l'abondance qui ressort. Donc, ça, c'est une très, très, très belle carte. Évidemment, l'abondance dans tous les domaines, pas simplement l'abondance financière, mais aussi, on peut avoir l'abondance en santé, l'abondance en chance, en réussite, l'abondance en amour. Donc là, on a vraiment la carte de l'abondance qui vous suit de près pour ce vendredi. Nous avons la carte de la dualité. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement qu'en ce moment, au lieu d'être bien aligné avec vos projets, avec vos objectifs, vous avez tout simplement une dualité en vous. Donc, cette dualité peut tout simplement faire parler, par exemple, votre esprit. Votre esprit pense une chose, votre corps pense autre chose. Vous avez envie de mincir, mais votre corps ne souhaite pas mincir pour le moment. Vous avez envie de prendre une décision, mais vous faites le contraire. Vous dites souvent, c'est plus fort que moi. Donc ça, c'est vraiment la carte de la dualité. Je vous invite à travailler sur vous. Pourquoi pas prendre une consultation aussi pour régler tout ça. Ça serait pas mal. Donc je vais prendre une autre carte aussi, c'est message d'alerte. Donc là on a un message d'alerte, on va voir un petit peu ce qui symbolise aujourd'hui, pourquoi il va vous alerter. Donc là on parle d'enfants, donc il vous alerte sur la carte des enfants. Donc on va voir un petit peu, on va pouvoir recouvrir qu'est-ce qui se passe avec la carte des enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va tomber, peut-être enceinte, peut-être quelqu'un qui va avoir un enfant qui n'est peut-être pas prévu pour le moment, donc c'est peut-être une très très belle surprise. Donc on a la carte de l'éducation. D'accord, et on va un petit peu recouvrir pour voir un petit peu de quoi. Le message spirituel, ok, et on a donc l'amour. Bon, donc ce n'est rien de méchant. On vous parle tout simplement d'éducation. Donc je pense qu'il y a certains d'entre vous qui avaient des enfants peut-être. Et peut-être qu'il y a des difficultés avec l'éducation que vous leur donnez. Alors bon, on sait de toute façon, on sait tous que ce n'est pas facile, ce n'est pas une partie de plaisir d'éduquer des enfants. Ça peut être des fois très compliqué. Donc là, on vous dit surtout, ne perds pas espoir, tu as un message spirituel qui arrive et tu as la carte de l'amour. Donc vous allez être aidé des plans divins pour prendre une décision, prendre un choix. Je ressens également, pourquoi pas, quelque chose qui concerne la dualité, donc dans le couple aussi. Peut-être qu'il y a des problèmes, des conflits dans votre couple. Peut-être que vous ressentez donc des conflits entre votre conjoint et votre enfant. Peut-être que vous êtes issu d'une famille recomposée et que donc votre conjoint ou votre conjointe a du mal avec vos enfants issus d'une première union. Donc, je vous invite évidemment à prendre une consultation pour y voir un peu plus clair. Peut-être que vous êtes dans une dualité, dans un problème d'éducation, éducatif. Donc, je vous conseille évidemment d'y voir un peu plus clairement. En tout cas, sachez une chose, c'est que vous êtes profondément aimé des plans divins. Voilà, on vous envoie des facilités pour évidemment votre vie. J'espère que ce tirage pour vendredi vous a convié, vous a convenu, vous a convié à des énergies positives et vous amène évidemment vers le week-end d'un pas de géant avec vraiment un grand sourire qui s'affiche sur votre visage. En tout cas, je vous aime, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt.